Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette petite vidéo qui va. C'est une vidéo d'annonce pour vous annoncer l'arrivée, donc le retour des histoires de parti, qui sont donc les vidéos dans lesquelles je parle d'histoire d'un parti politique. Mais ils vont revenir sur un format un peu différent, puisque là, on va parler à partir de fin décembre, fin du mois, du coup, 26-27 décembre. L'histoire du Parti communiste français, puisque ce sera le centenaire du Parti communiste français, donc l'occasion d'en parler. Sauf que, déjà, rien que pour parler des partis trotskistes, il m'a fallu faire une vidéo d'entre 15 et 20 minutes sur chacun, et les écologistes ont fallu une vidéo de plus de 20 minutes, en sachant que c'est des partis dont leurs origines remontent aux années 60-70. Bon, avec des embryons qui sont plus anciens, mais qui avaient une importance très faible, et des partis qui ont toujours eu une influence assez limitée au final. Certes, ils ont pu avoir une certaine influence sur le syndicalisme, mais ça n'a jamais été une influence majeure. À la différence du Parti communiste français, qui à la fois sur la question syndicale, mais également la question associative, a eu une influence importante. Un parti qui a été présent dans plusieurs gouvernements, un parti qui a eu des rôles importants dans les moments clés de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, Front populaire. Un parti qui, dont l'influence en termes électoraux a toujours été bien plus importante que celle des partis trotskistes. Et un parti, comme je l'ai dit, qui a 100 ans d'histoire. Et dont les origines remontent à elles seules aux événements, à des événements importants comme la Première Guerre mondiale et la Révolution russe. Donc, il y a des choses à dire qui dépassent largement, en termes de quantité d'informations à donner, celles des informations sur les partis trotskistes, même les trois partis trotskistes réunis qui ont fallu trois vidéos. Donc, pour pouvoir bien traiter le sujet, il va falloir plusieurs vidéos. Donc, du coup, il y aura une série de vidéos qui va commencer donc fin décembre, à la sortie de la première. Sur le congrès de Tours, le 26 ou 27 décembre 2020, et ensuite il y aura une vidéo par mois. Je vais essayer de faire une vidéo par mois durant l'année 2021 pour bien parler du sujet en profondeur d'un parti politique qui a eu une influence très importante, qui est aussi l'objet de nombreux débats, de nombreux clivages. Je vais essayer d'être neutre sur le sujet, mais forcément, j'ai un rapport avec ce parti. J'en ai été membre pendant plusieurs années. J'ai eu des responsabilités au sein de ce mouvement, j'ai été candidat pour ce mouvement, donc forcément, je ne suis pas totalement neutre, totalement objectif là-dessus, mais je vais essayer de l'être, à la fois de ne pas être trop indulgent sur l'histoire de ce parti, ni être trop dur sur des aspects que j'ai pu critiquer. Donc, la vidéo en question que vous pouvez tourner, il ne reste plus qu'à la monter, et j'espère qu'elle vous intéressera. J'ai essayé de, ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de recherche pour bien le faire. Même si voilà, je connaissais des choses sur le sujet, mais il s'agissait également de vérifier ce que je connaissais et de compléter. Et de ne pas m'appuyer uniquement sur les connaissances que j'avais de base, qui venaient ben, essentiellement de l'intérieur du Parti communiste français. Donc certes, c'est une source de première main, mais une source qui n'est aucunement neutre. Donc il a fallu que je complète avec d'autres lectures, des lectures extérieures, pour essayer de me faire un avis plus nuancé et plus neutre sur le sujet. Certes, la première vidéo n'est pas la plus difficile. À traiter de manière neutre, puisque c'est juste de voir comment le parti est né, et pas vraiment d'étudier ce qu'il a fait. Ça sera les vidéos suivantes, et il y en aura de beaucoup plus clivantes, ne serait-ce que par exemple sur la question de l'attitude du Parti communiste français durant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est une question qui est extrêmement clivante. Et ça, j'ai pas mal réfléchi là-dessus, j'ai pas mal fait de recherches dessus, donc quand la vidéo dessus va sortir, je vais essayer de traiter des choses avec neutralité, mais clairement, ça va être un sujet sûrement très clivant. Je m'attends à ce que les commentaires soient compliqués. Mais en tout cas, voilà, et c'est également du coup ce que je tiens à vous dire sur cette série de vidéos. Oui, je vais essayer d'être neutre. Oui, je suis orienté, donc vous le savez. Je préfère le dire par honnêteté. Et s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, essayez de l'exprimer avec respect et politesse. On n'est pas là pour se battre. Donc voilà, pour pas que les commentaires soient la guerre. Bienveillance, s'il vous plaît. Donc voilà. C'était pour vous annoncer du coup l'arrivée de cette vidéo dans à peu près 5, faire 4-5 jours à peu près. Voilà. En vous souhaitant de bonnes fêtes, au revoir tout le monde!